Donc est-ce qu'on se ferait pas genre des petites tombes genre où on enterre les gens, où on les y met, tu vois, genre là, c'est la tombe de la faucheuse. C'est la tombe de The Faucheuse. Voilà, alors Théma, moi je suis chaud patate, qu'est-ce qu'on fait? On récupère notre petite herbe. Qui est ici, voilà. Donc ça, tu vois, genre en tant que faucheuse, là je suis chaud patate, tu vois. Genre, non, ça rigole pas, tu vois. Ça rigole vraiment pas. Donc, j'ai ça. Ensuite, déjà on se met en clip, parce que la faucheuse vole, hein, tranquille. La faucheuse vole, doucement, comme ça on va faire en sorte, tu vois, genre. Et ensuite, mon pote, on va tuer des gens. On récupère. Et là, c'est un bordel. Yo les gens, j'espère que ça va. En tout cas, moi ça va, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve sur Trust encore une fois. Où on va être une faucheuse. On va aller chercher l'âme des gens. Ça sera une petite roue de la mort, les gars, qui décidera si la personne va vivre ou mourir. Les gars, je voulais vous dire que je cherche des développeurs, des codeurs et des builders sur Minecraft. Alors quand je parle de tout ça, les gars, c'est des vrais. C'est pas la peine de venir me dire je sais build alors que tu sais faire un cube. Non, voilà, c'est pas la peine. Quand je te dis un développeur, c'est pas du genre coucou, salut, je sais configurer un addon. Non, c'est pas ça, c'est je crée un addon. Là je suis d'accord, t'es développeur. En tout cas, je vous mets le forum dans la description, les gars. J'espère que vous serez nombreux à postuler. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et tout, les gars. Tout dans la description, c'est pareil. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas. Peace. Est-ce que il y a un maire. On va aller le voir, genre tranquille. Vous allez voir. On va aller le voir tranquille. On va aller lui faire, mon gars, que la faucheuse est venue pour prendre son âme. Est-ce qu'on le prend? On le fait juste peur? Vas-y, on va juste lui faire peur à lui pour le moment. On va juste lui faire peur. On va voir ses réponses, selon ses réponses. La faucheuse décide. Oh putain, j'ai une idée. Bougez pas. Hop, hop, hop. Regardez si c'est pas stylé, les gars. Arrêtez là. Arrêtez, Théma un peu. Théma. T'arrives quoi, gueule? T'arrives quoi? Allez, hop. On est parti, les gens. Donc on était parti voir le maire de toute façon. Paf, le faire flipper. Bonjour. Oui. Je suis la faucheuse, mon ami. Je suis venu prendre l'âme du maire. Le maire est-il là? Je sais pas, parce qu'en fait il veut pas m'ouvrir. Ah oui. Eh ben, on verra ça. On verra ça. Attendez, on va le voir. Vous allez voir. Monsieur le maire. Où êtes-vous, monsieur le maire? Il s'est barré. Attends, on va aller dans la rue, on va aller le chercher. T'as le maire, c'est barré, wesh. On va aller voir l'armurier. Il a fait du mal, les gars, il a fait du mal aux gens. Il vend des armes qui tuent. Il vend des armes qui tuent le peuple. Non, bonjour. J'ai pas de véhicule. Vous savez que vous connaissez votre péché? Est-ce que vous connaissez votre péché? Vous vendez des armes? Les armes tuent. J'aime pas trop cette voix là. Les armes tuent, mon enfant. Vous allez devoir échapper à la mort, vous le savez ça. Je suis venu chercher votre âme. En êtes-vous conscient? Non, parce que je vous vois construire, en fait, j'ai l'impression que vous vous en battez les couilles. Il y a quand même la faucheuse à côté de vous, donc... Non, je vous écoute. Ah, d'accord, je me disais... Ok. Alors, écoutez, c'est facile, monsieur. J'ai embarqué avec moi une petite roulette. Vous avez une chance sur 5 de repartir avec 20 000 euros. 2 chances sur 5 de vivre, 2 chances sur 5 de mourir. Ouais. Vous êtes un pêcheur, mon ami, vous ne pouvez pas y échapper. Ah oui, d'accord. D'après vous, vas-y, essayez de me dire. Est-ce que ça va tomber sur mourir, sur vivre ou sur les 20 000 euros? Vas-y, essayez de le prédire. Moi, je dis ça tombe sur... mourir. Mourir. On est parti, les gens. Wouah, le stress. Survivre ou mourir? Vivre, il a eu de la chance. Oh, la chance qu'on a eu. Il a eu trop de chance, lui, mec. Mon enfant, tu échappes à la mort aujourd'hui, mais sache que si tu continues tes péchés, je reviendrai te voir. Bonne continuation, mon enfant. Au revoir. Il a eu de la chance. Mais les gars, c'est pas fini. On va aller en voir d'autres qui auront beaucoup moins de chance. Vas-y, des gens là qui sont en train de printer ou autre, les gars, c'est leur péché, mon pote. Ils sont dans l'illégal, c'est leur péché. Oh, y'a un monsieur qui vole. Oh, regarde. Bonjour. C'est qui? Votre péché. Ah non. Et d'être black. Je déconne, c'est bon, calmez-vous, les gens. Votre péché, mes amis. Votre péché. Non.
Votre péché est d'avoir péché. Vous avez fait mal au poisson. Il va falloir en payer de votre vie. Je suis venu récupérer votre âme, mes enfants. Il va falloir jouer à la roulette de la mort. Monsieur, la faucheuse s'appelle la faucheuse. Nous lançons la roulette. Je vais vous dire si vous allez vivre ou mourir. Vous dites quoi? Moi, je dis vivre. Vivre. Vas-y, vivre. Là, il vit, là. Obligé, il vit. Obligé, il vit. Il vit, il vit, il vit. Mon ami, la roulette en a décidé que t'es allé mourir. A votre tour, mon enfant, à votre tour, je vais tirer la roulette pour vous. Je tire la roulette dès à présent. Moi je dis, eh, 20 000 dollars, allez, c'est les seuls que j'ai pas fait. Je dis qu'il gagne 20 000 euros. 20 000 euros. 20K, il les gagne. 20K. Il aura pas les 20K. Il vit. Il vit. Il a de la chance, il vit. Mon enfant, tu as la vie sauve. La roulette t'a béni, mon enfant. Sache un truc, si tu repêches, bien entendu, je serai bien obligé de revenir à toi. Oui. Ah, bonjour, mon enfant. Votre délit, à vous, est d'être Denis Brognard. Vous allez jouer à la roulette de la mort, vous le savez. Vous avez deux chances de vivre, deux chances de mourir et une chance de remporter 20 000 euros. Ah, mais oui, je tire la roulette dès à présent. Attention, 20 000 dollars, 20 000 dollars. Je veux non mais putain, je veux rendre riche Denis Brognard, moi. 20 000 euros, 20K les gars, 20K, mais c'est sûr les gars. Et des gros déjà Denis Brognard qui gagne 20 000 euros. Denis Brognard qui s'enrichit les gars. Son futur deviendra célèbre. Et oui, Denis Brognard, tu as gagné 20 000 euros. Bien joué à toi, félicitations. La roulette de la mort t'a béni, mon enfant. D'accord. Oh. Non. Eh mais 20 000 dollars. Bonjour, mon enfant. Bonjour. Tu as dit quoi? Vous avez péché, mon enfant. Mon enfant, vous avez péché, mon enfant. Ne bougez plus. Ne bouge plus! Vous avez péché, mon enfant. Vous n'êtes pas sub à la chaîne de Zertek. À la chaîne Twitch de Zertek. Bah non, mais le souci, c'est que j'ai besoin de lui pour remorquer ma voiture. Là. Ok, bon, mon enfant, je vous laisse partir, allez-y. Vous avez lavé vos péchés en remorquant la voiture de ce monsieur. Eh, pourquoi on prend là? Mon enfant, ton péché a été d'être sur la route alors qu'il n'y avait pas de passage piéton. Attends, j'ai rien compris. Ton péché est d'être sur la route sans passage piéton, mon enfant. Il n'y a pas de trottoir ni de passage piéton. En as-tu conscience, mon enfant? Oui. Tu sais qu'il va falloir que tu joues ta vie sur la roue de la mort, mon enfant. Deux chances de mourir, deux chances de vivre, une chance de gagner 20 000 euros. Oh putain, 20 000 euros? Oh vas-y, direct. Quand je dis 20 000 euros, ils sont tous d'accord, mec. Ils oublient tous le terme mourir. Mon enfant, je lance la roue de suite. Moi, je dis qu'il les gagne, les 20 000. Je dis qu'il gagne les 20 000, les gars, les 20 000. Pour le moment, il n'y a que Denis Brognard, les gars, qui a gagné 20 000 euros. On va voir. Voyons. Il gagne les 20 000. Il vit. Pas les 20 000, mais il vit. C'est déjà ça. La roue a décidé que tu vivrais. Je ne peux pas faire autrement. Non. Tu as de la chance. Non. Tu as de la chance. Tu aurais pu mourir. Tu dois mourir. Le sort en a décidé autrement. Descends et porte ma parole à tous les autres citoyens, mon enfant. Dis-leur que la faucheuse est en ville et qu'au moindre péché, j'agirai en conséquence. D'accord. La faucheuse est en ville. Mon enfant, ton péché... Ton péché est d'être con, tu ne sais pas écrire. C'est ma mère, elle m'a éduqué comme ça, arrête. Non, mais ça ne change rien, mon enfant. Tu es con, c'est un péché. Il va falloir que tu joues ta vie à la roue de la fortune. Je la lance dès à présent. Tu peux faire une dédicace à ma mère ou pas? Oui, vous pouvez faire une dédicace à votre mère. Maman, je te dédicace. Dans le checks, voilà.
Votre péché est d'avoir fait une dédicace à votre mère, mon enfant. Non, mais arrête. Si, mon enfant. Non, mon enfant, je tire la roue de la fortune, c'est parti. Non, je te crache dessus. Moi, je dis mourir. On en a pas eu beaucoup, mourir, bordel de merde. Mourir. Vous, vous pensez 20 000 vivre. Mort. Il y a tout le monde qui veut meurt, mon gars. Meurt. Mais what? Il gagne les 20 000 euros, mais what? C'est quoi que ce bordel, putain de merde? Mon enfant, tu as eu de la chance, tu as gagné 20 000 euros, mon enfant. Donne les 20 000. Mais je ne te les donne pas, mon enfant, parce que pour toi, c'était trop peu tout à l'heure. Arrête. Non, mais je les donnerai à votre maman, mon enfant. Non, ma mère, c'est une pute, je veux pas. Ok, mon enfant, je les donne de suite, alors. Comme quoi, pour l'argent, eh ben, on peut tout renier. Hein. J'espère qu'il est là, la mère, putain. Est-ce qu'il y a un maire? Je crois pas qu'il y a un maire, je sais pas. Bonjour mon enfant. What is this? Je ne suis pas... Tu es moche. Comment mon enfant? Comment parlez-vous la mort mon enfant? What the fuck? Répète-moi ça. Bah oui. La mort c'est moche. Ok mon enfant. Au fond, vous avez une... Je vous explique, bonhomme, vous ne passerez même pas non, par le roue de la fortune. Bonhomme monsieur, je vous aime bien. D'accord, bon ben voilà. Non, moi je voyez qu'on peut la roue de la fortune, j'aime bien Christophe de Chavannes tout ça. Ah ben parfait. Ben écoutez mon enfant, nous allons jouer à la roue de la mort. Il meurt les gens, il meurt. Mon enfant, je suis désolé pour toi. La roue de la fortune a décidé que tu mourrais. La mort, putain, on a passé de bons moments ensemble, voyons. Franchement, c'est pas trop cool tout ça.